Coltrane remains one of the most, in my opinion, the most advanced musicians of the 20th century. And that not only includes so-called jazz music, but many classical, contemporary classical composers have been influenced by John Coltrane's work. His collaborations with African music, Indian music, he is probably one of the people who inspired so-called world music, now as we know it today. Mon idée était plutôt de faire un tribute à John Coltrane, pas d'essayer de reprendre toutes ses compositions. I'm not trying to simply repeat things that Coltrane has already played and much better than I could do myself by trying to do what he did. So I'm doing some of his originals. For example, Naïma, il y a quelques choses on va faire. Mais des autres viennent de moi, mes originales, qui sont vraiment en tribute à Coltrane. J'étais à l'université vers le temps que j'ai rencontré John Coltrane. J'avais vu avant, mais parce que je viens de Philadelphie, il était bien connu à Philly et de temps en temps, une fois j'ai attendu une boîte, il a joué, mais je n'avais pas la chance de parler avec lui. C'est vrai, j'ai rencontré à la Five Spot à New York City. Mais et à ce point-là, j'avais 19, 20 ans. When John Coltrane arranged for me to record with Impulse Records, c'était fortuiteux pour moi. Il était très généreux parce que, en fait, j'avais essayé plusieurs fois de joindre le chef de Impulse, Bob Thiel. J'ai jamais arrivé à joindre Bob Thiel jusqu'à ce que j'ai demandé à Coltrane s'il veut faire un faveur pour moi et demander pour moi. Que j'ai fait un disque avec la compagnie. Il était très disponible dans ce sens. Et il a parlé avec Bob Thiel et le jour j'ai appelé, le secrétaire dit à moi, il prend son déjeuner, mais il vous attend. Et donc, on a fait parler d'un projet de faire des morceaux des originales de Coltrane. Et moi, j'ai fait des arrangements et c'était un disque qui s'appelle Four for Train.